incroyable. Deux ans se sont déjà écoulés depuis qu'on a fait le let's play sur Resident Evil 7. Et quel let's play, les amis, quel let's play. Un des plus grands let's play sur ma chaîne, je pense. Il était fantastique. Le jeu, j'étais dedans du début jusqu'à la fin. Et là, regardez, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, Resident Evil 2, bien évidemment, sur PlayStation 4 Pro, aussi sorti sur Xbox et PC. Et je vous le dis dès maintenant, il y a deux jeux Resident Evil 2 à gagner sur la plateforme de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, tu déposes un petit like sur cette vidéo et tu mets un commentaire, ce que tu veux, écoute ton cœur. Un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. Et deux personnes seront tirées au hasard, évidemment. Je leur enverrai un petit message privé. Vous pourrez choisir le jeu sur la plateforme de votre choix. C'est cadeau, c'est pour moi. Quel bonheur, quel bonheur. Je vous invite d'ores et déjà à mettre cette vidéo en 1440p, 60 fps. Vous préparez un petit truc à manger, vous prenez un petit truc à boire. On est parti. Une nouvelle aventure horrifique. Et pas qu'un peu, mon neveu, comme disait Oncle Benz. C'est toujours un succès. Resident Evil 2. Oh, qu'est-ce que je l'ai attendu. Qu'est-ce que je l'ai attendu. Incroyable. Incroyable. Je vais enfin pouvoir y jouer. Ah bah vous le savez, hein, Resident Evil, une de mes séries préférées. En plus, c'est de l'horreur. Quel plaisir. Je crois que ça sert à rien de parler trop. Hein. Vraiment, ça sert à rien de parler trop. Juste mettez un fucking like, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Je veux qu'ensemble, on frissonne, on rigole et on vive une aventure horrifique, incroyable tous ensemble. On est parti. Encore une fois, mettez la qualité la plus haute. Vivement conseillé. Campagne, bonus, PlayStation Store et options. Je rappelle qu'évidemment, j'ai la version Deluxe. C'est parti. Bonus, j'ai pas envie d'y aller tout de suite, j'ai pas envie de me spoil. On va directement aller dans campagne et continuer, charger une partie, nouvelle partie et tenue. Alors, tenue, c'est les tenues de la version Deluxe. Pour l'instant, on va pas les regarder pour pas se gâcher un plaisir ou autre. On verra ça plus tard quand on aura un petit peu avancé dans le jeu. Continuer, ça m'étonnerait parce que bah, tout simplement, j'ai même pas commencé de partie. Voilà, impossible de charger les données sauvegardées. Charger une partie, je n'en ai pas. Nouvelle partie, j'espère que vous êtes prêts. Bienvenue. Bienvenue en enfer. Choix du scénario, Leon S. Kennedy ou Claire Redfield. Alors, je vais pas vous mentir que Claire... Ah, Claire, c'est ma petite chouchoute. Claire, c'est vraiment... C'est l'un des protagonistes que je kiffe le plus, voire peut-être le protagoniste que je kiffe le plus dans la série Resident Evil. Mais on va se faire Leon. On va se faire Leon pour commencer. Et évidemment, on fera les deux scénarios, évidemment. C'est parti, épisode 1, Leon S. Kennedy, premier scénario, sans nouvelles du commissariat où il vient d'être affecté. Leon S. Kennedy se rend à Raccoon City pour en savoir plus. Il est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend. Et je pense que vous aussi, vous êtes loin d'imaginer le cauchemar qui nous attend. On y va. Ah ! Choix du mode ! Facile, normal, hard ! Eh les gars, hein, entre nous, on va la jouer normale. On verra pour le mode hardcore, peut-être en live, ça pourrait être sympa. Mais pour l'instant, comme chaque aventure horrifique, on part en mode normal. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais de combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour moi. Je suis quelqu'un. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oui.
personne. C'est bizarre. Hein ? Ok, c'est parti. Explorer les environs, on n'est même pas encore arrivé normalement à Raccoon City. Cette scène n'existait pas sur la version PS1. On y va, évidemment. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Quelque chose trop tard. Quand tu vois 8 litres de sang, ça tourne rarement rond. Il y a des bruits chelous là-bas, frérot. Ok. Ça va ? Bonjour, monsieur. Encore un sale samedi. Ça va, José ? Je sais pas. Je vais revenir vous aider. Ok. Tu veux que j'aille là-bas, hein ? Tu veux que j'aille à la mort, hein ? Excusez-moi ! Oh putain, désolé. C'est qu'un bruit de porte, hein, finalement. Je sais pas pourquoi j'ai stressé. Excusez-moi, monsieur. Arrête de bouger. Est-ce que tout va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Ah 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 Bouge pas! Monsieur, vous êtes en état d'ivresse! Monsieur, on arrête les conneries tout de suite, s'il vous plaît! Ça va pas du tout, faut pas manger les gens, monsieur! Ça va beaucoup trop vite! Vous êtes mort? Fais pas le con, hein! Là, t'es mort! Là, t'es mort! Ah! Il est pas mort! Heureusement qu'on a vérifié. Là, t'es mort! Mais... Eh, gros, ça va, oh! Gourmand, toi, hein. Ok, plus personne s'inquiète, hein. Oh. Oh. Petite aventure horrifique sympa, ça. Ok, rincez-vous l'œil, parce qu'après, c'est terminé, les gars. Ouvrir l'inventaire. Très bien, pas besoin d'aller plus loin. Normalement, il va être contaminé, le mec qui était à terre, là, non? Ou l'autre. Attendez, y a pas des balles. On fouille tout. Ok. Peut-être sur un malentendu. Lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme, utilisez l'objet en question et la commande utilisée. Ok. Pas ouf. Ok. Il a l'air bloqué. Il est totalement bloqué. Ah ! Putain ! Il est plus bloqué. C'est quoi ça ? J'ai pas de balle. J'ai pas de balle. On arrête, s'il vous plaît. Wow ! Damn Daniel! C'était mon rayon préféré! En clair! Je t'aime! Passe-toi! Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Suis-moi. Bon. Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Oh
Eh ben, on vient d'arriver, les amis. Bienvenue à Raccoon City. Oh là 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 là, quel plaisir. J'ai tellement hâte. Vous savez, là, je suis épris d'une hâte. Et je sais d'avance que quand je vais finir, je vais être dégoûté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais finir le jeu, je vais être là en mode... Bon bah l'expérience est terminée. J'espère aussi que vous aurez ce dégoût quand on aura terminé cette aventure horrifique ensemble, les deux scénarios évidemment, parce que ça veut dire que bah finalement j'ai bien fait mon boulot, je vous ai fait kiffer avec moi tout le long, bien évidemment, d'une aventure incroyable. Chaque jour, vous aurez un épisode pendant une semaine, et ensuite on calmera un petit peu le jeu avec un épisode tous les deux jours, histoire de savoir apprécier aussi les bonnes choses. C'est parti, en tout cas, moteur graphique incroyable. On reconnaît énormément le RE Engine qui a été utilisé pour Resident Evil 7. Donc là, les gars, c'est que du bonheur, il y a juste à kiffer. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh putain! Ah Léo, il faut que tu recules! Ici. Allez, vite! Je peux pas! Rien de cacher ses balles, vaut mieux c'est courir. Rejoins le comico. Ok, on va y aller calmement. J'avais hâte de retrouver la ville entièrement remodélisée avec les graphismes du jour. Et normalement, il va y avoir des balles qui traînent un petit peu partout. En tout cas, sur PS1, c'était le cas. Mais là, on dirait pas. Essayez de tout fouiller avec la pression des zombies quand même aux alentours. Bonjour, messieurs. Excusez-moi. Pas des munitions, s'il vous plaît. C'est tout le monde. Toujours que 3 balles. Ils sont tous transformés. Ok. C'est parti, les gars. Donc, la partie dans la ville dure pas très, très, très longtemps. En tout cas, sur PS1, voilà. Ne durait pas très longtemps. Le commissariat. Ah oui, d'accord. On y est déjà. Hein. Oh ! Il y a la scène dans le bus. J'adore le bus. Bonjour, monsieur. Hop, vous êtes bloqué. Très bien. Au revoir, monsieur. Est-ce que vous avez pas des munitions quelque part, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Très sexy, ce soir. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ok. Hop, oh, vous êtes tombé. C'est rien, ça arrive, hein. D'accord. Pas le bus. Pas la scène du bus. Aïe. Esquive latérale gauche.
Y a pas la scène dans le magasin. Tristesse. Et il y a encore moins... Oh non, c'est dommage. Ah, ça fait mal. Et il y a encore moins la scène dans le bus. Alors, mes souvenirs se mélangent peut-être des fois. Hein. C'est possible que je dise une ou deux bêtises de temps en temps. Mais là, quand même. Oh, j'aurais voulu rester en ville un peu plus longtemps. Je vous l'avoue. Il y a des choses à avouer. C'est parti. Mais que fait la police? Bah, hé, c'est moi, les gars. Et ben voilà. Enfin en sécurité. Explorer le commissariat. Très, 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 très bien. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh, les gars, des balles, je prends volontiers. J'ai toujours la clé, je crois qu'elle me servira à rien. Pas envie de dire n'importe quoi. On va regarder. Bon, bah là, eh, on est de retour. Comme dans la démo, finalement. Donc, on sait ce qui nous attend sur les... Il y a forcément quelqu'un ici. Prochaines 30 minutes. On n'aura pas d'effet de surprise. C'est pas bon, ça. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Il faut que j'aille l'aider. J'ai déjà vécu ça, Johnny. Ok! C'est parti, on va reload. On va save évidemment, mais avant tout, on va... Arme spéciale ajoutée. Bah oui les gars, le Samurai Edge de Albert. Capacité 15 coups, 9 unimètres, 12 coups. Pistolet élaboré par Albert Wesker. Je rappelle que le Samurai Edge est une arme bonus qu'on a grâce à l'édition. Collector, mais là, ça sert pas à grand chose. J'ai un pistolet chargé, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Ok, hop, déplacé, hein. Totalement déplacé, non... Déposé. On va donc laisser le Samurai Edge ici. Dès que j'ai assez de balles et que j'ai vidé cette arme, on pourra sans problème le prendre. C'est parti, première save du jeu. Quel bonheur, quel plaisir. Bon, comme je vous l'ai dit, les 30 prochaines minutes, on connaît, d'accord. Il n'y aura pas spécialement d'effet de surprise. C'est les 30 minutes de la démo. Mais quand même, on va tout fouiller, on sait jamais. Parce que je rappelle qu'ils ont pu ajouter des choses. Ça, c'est la porte de pique. Pour le moment, inutile. Ça sera pour partir, pour le moment, inutile aussi. Je sais que l'issue est là-haut, mais... est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller fouiller quand même, tout de même On va fouiller. On va prendre notre temps. C'est une aventure horrifique, on est là pour kiffer. Le blason. On n'a pas encore les trois symboles à disposer dans l'ordre. Je crois que là-haut, normalement, il devrait y avoir... Une boîte de munitions. Non. Il me semblait qu'à l'étage, il y avait toujours quelque chose. Oh, c'est ouvert! C'était fermé avant! Incroyable! Ok. Ça, c'est de la bonne herbe. Hein. Je connais bien. Hop, je garde mon pote. Ok. Oh, souvenez-vous, c'était fermé! Oh, c'est incroyable. On a un coffre. Hé, hey, on n'a pas la combi. Alors là, on va lire tous les fichiers. Hein. Tous les textes, c'est moi qui vous le dis pour ouvrir un maximum de trucs et prendre un max de plaisir. Une brochure! Bienvenue à Raccoon City! Le saviez-vous? Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique. Elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville. Le commissariat de Raccoon City, le bâtiment situé en plein cœur de la ville, n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de déesse dans le hall principal, sont les vestiges de cette époque révolue. Orphelinat ! À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella, avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers. Le bâtiment est célèbre pour son vitrail, qui attire des visiteurs venus du monde entier. Sur ça, il y a quelque chose de très intéressant. Il présente déjà le commissariat, qui est le bâtiment principal de Resident Evil 2. Je ne vais pas vous spoiler le reste. Par contre, l'orphelinat est une nouveauté qui a été annoncée. Ça sera une nouvelle zone qui n'était pas dans le jeu original de base. Donc, on va découvrir des choses. Et ça, les gars, bah, j'ai envie de vous dire, c'est juste incroyable. Et j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ça va ressembler. On va tout fouiller. On va prendre notre temps. On va kiffer. Ok, normalement dans le hall principal, il peut pas y avoir de zombies, mais on n'est jamais, voilà, on sait jamais, il y a peut-être des surprises à gauche, à droite. Donc là, on va vraiment tout fouiller. C'est rien, c'est le vent.
très très bien, aucun souci là-dessus. Toujours un gameplay, vraiment. Alors le gameplay, les gars, que vous dire, mis à part quel plaisir. Quel plaisir d'incarner Leon et sûrement Claire Redfield. Voilà, il y avait des balles. Très très bien ça. Très très bien. On va utiliser les balles dans le samouraï. J'aimerais bien remplacer mon samouraï Edge quand même. Vous savez ce qu'on... Je sais ce qu'on va faire. Regardez bien. Regardez bien et juste apprécier en fait. Juste apprécier. Parce qu'on va l'utiliser. Elle est pas plus cheatée. Elle a peut-être un petit peu plus de balles. Mais pas spécialement plus cheatée que le 9 mm. Ça reste un 9 mm. Voilà. C'est juste le petit bonus. Samouraï Edge pour des performances optimales. Ouais. Ok. Allez. C'est équipé. Et... combiné. Ça y est, on a le Samouraï Edge qu'on va reload. Oh, il est beau en plus. Il est vraiment stylé. Mais on va utiliser la péteuse en attendant. Normalement, là-haut, il n'y a rien. Oh, bébé, je t'avais pas vu, toi. Hop, on va le poser ici, délicatement. Voilà. Un spray. Alors, les gars, le spray, c'est quoi? C'est un outil de soin qui soigne et qui remet... à 100%, tout simplement. Donc, grâce à ça, c'est le petit fire. Ça équivaut à un mélange de plantes et de couleurs, finalement, qu'on y pense. Allez. Bon, eh bien, c'est reparti. Bienvenue. Re-bienvenue. What? J'ai pas souvenir qu'il y avait de l'eau dans la démo, mais sûrement. C'est que j'ai pas dû faire gaffe. J'étais pris par le timing et je voulais impérativement le finir vite. Maintenant qu'on a notre temps... ça va aller. On va regarder le moindre détail. Et encore une fois, non, ça va pas aller, Leon. Ok. Pour l'instant, pas de zombies. Oh! Oh putain. Ok. 15 balles, il est chargé au max. Très très bien. Rien à lire ici. Je crois que j'ai... oh! J'étais pas rentré. Ah bah oui, c'est toujours mieux la lumière allumée. C'est toujours mieux. J'étais pas entré dans cette pièce pendant la démo. C'est vrai que j'avais tracé. Très bien, les 10 balles, c'est jamais trop, comme on dit. On peut y aller. Hop, réallume ta lampe, s'il te plaît. Merci. Ça, coupé décalé, les gars. C'est quoi ce boulot, putain? Rangez-le, votre comico, les mecs. Ok. Je sais plus où j'étais allé ensuite. Ah, c'est là où on va enchaîner... le premier zombie, donc on va tout fouiller avant pour pas avoir de surprise plus tard. Alors, petite anecdote aussi, les chiottes, ça peut paraître drôle, mais c'est la première fois, parce que dans Resident Evil 2, il n'y avait pas de toilette dans le commissariat, qui était d'ailleurs un petit peu bébête. Donc voilà, une pièce ajoutée qui fait toujours plaisir. Eh oui, en cas d'envie pressante, les gars, il faut. Ok, j'ai encore un spray, j'ai deux sprays, les gars. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec les chats? C'est totalement fermé. Ouvrez-moi! Vite! J'arrive, 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 mon pote. Attends. Ouvrez cette putain de porte! J'arrive. Bon, préparez-vous, les gars. J'espère que vous ne mangez pas en même temps. Je vais vous aider! Pas comme la démo, évidemment. Aide-moi! Putain! Tenez votre main! Je vous tiens! Votre main, allez! Toujours la même dalle. Même deux semaines après, il a toujours aussi fort celui-ci. Ok,
carnet d'un officier. C'est parti. Donc, en gros, ça vous montre que la statue de la déesse contient un passage qui mène au parking et qui mène à un chemin de sortie. Et il nous faut donc les trois jetons. Ah ! C'est plutôt intéressant. Regardez ce qu'on a là. Regardez ce qu'on a là. Tête de lion, épi de blé, corbeau. Ça, on l'avait pas dans la démo. Ok, bon, bah là, pas d'effet de surprise. Je sais que tu vas débarquer, mon frérot. Je t'attends, hein, cette fois-ci. Tu vas pas me faire flipper, putain. J'étais quand même pas bien. Vous êtes pas ! Alors, mon pote ! Hein ? Tu croyais me surprendre deux fois ? T'as bien. Oh, bien joué. Oh, il est bon. Attends, on va peut-être pas gâcher toutes les balles. Attention, pas deux fois, mon pote, hein. Voilà ! Pas deux fois. Ok. Y a rien à prendre ici. Et ça, ça sert à rien d'ouvrir. Y a forcément quelqu'un derrière. Normalement, y aura un bruit très suspect. Voilà. Fais chier. Je te le fais pas dire. Ah ! Putain ! Ok. Il est trop bon ! Putain, merde. Ok. Oh, je suis mauvais, hein. Oh, je suis désolé. Il est mort. Totalement mort. J'ai perdu trop de balles. Je regrette. Ok. C'est pour boucher la fenêtre, mais ça sert à rien. J'ai pas de quoi boucher. Pas de planche cette fois-ci. Oh là 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 là. On s'en sort clairement moins bien que la démo. Ah ! Merde ! Ok. Ils sont partout. Yo. C'est terrible. Je m'en sors très très mal. Je m'en sors très très mal. On a plus de balles. On a déjà plus de fucking. Ah, ah. Putain, bâtard, va. Ok. 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 Yatta. Arrête, monsieur. Aïe. Ok, c'est rien. Lui m'a surpris. C'est par où la sortie? Eh ben c'est par là. Attends, je suis allé là. Ok, on s'en va. Ça sert à rien, ça sert à rien. Allez, salut mon pote. Vite. Eh, lui il est nouveau, hein. Attention. Je m'en occupe. En sécurité pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris.
Couteau de combat, ça c'est plutôt cool. Bien sûr qu'on va le sortir et à mon avis, on va l'utiliser bien plus que dans la démo. Aïe 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 aïe, on va s'arrêter là les amis. Eh oui, on va s'arrêter là, je sais c'est triste. Mais vous inquiétez pas, vous avez la suite dès demain. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Hop, ça, je le dépose, on n'en parle plus. Oh bah tiens, hé, c'est quoi, je vais me faire plaisir. Ça, je le dépose aussi. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. À demain pour la suite de notre aventure. Ciao, ciao.